Bonjour, je m'appelle Anaïs et je vous fais cette vidéo depuis la forêt ivoirienne où se situe notre sanctuaire Acacia où on récupère des chimpanzés qui sont issus du trafic et du braconnage. Et parmi les chimpanzés que l'on a sauvés, il y en a une qui a une histoire toute particulière et très chère à notre cœur, elle s'appelle Akuba. Je vous dis qu'elle s'appelle Akuba, mais elle pourrait aussi s'appeler la courageuse, la malicieuse, la résiliente, la gourmande. Akuba a eu un début de vie vraiment chaotique. Elle a été saisie chez des particuliers, elle était utilisée comme animal de compagnie, elle était affamée, terrorisée. Son dos est lacéré et ses mains sont mutilées. Mais après plus de 5 ans passés dans notre sanctuaire, aujourd'hui elle croque la vie à plein dents. Elle grimpe aux arbres. Elle est avec ses congénères dans un espace qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire la forêt. Elle mange des fruits sauvages. Et elle grandit. Elle grandit et elle a des nouveaux besoins, notamment un nouvel enclos qui soit plus adapté à son âge. Et pour nous, ces 10 000 dollars pourraient nous permettre de construire cet enclos qui soit digne de son nom et digne de son histoire. Parce qu'Akuba, elle aurait eu une dizaine d'opportunités de mourir, mais elle a toujours choisi la vie et c'est une vraie battante. C'est notre dose d'inspiration au quotidien pour continuer notre combat et protéger les chimpanzés.